Sorceleur. Vous savez, on raconte vos exploits dans tous les mondes. Et c'est donc pour ça que je vous envoie cette lettre. Il y a longtemps, vous nous avez aidés, ici, à Skellige. Vous avez sauvé Hjalmar, le fils de Kraren Krait, et fait couronner sa fille, Ceris. J'étais petit, mais je me souviens encore de votre arrivée sur le port de Kirtrold. Vous aviez des yeux de chat, des cheveux blancs et de grandes épées dans le dos. Vous étiez aussi accompagné d'une femme qui s'appelait Yennefer, il me semble. Vous m'avez regardé du coin de l'œil et avez laissé échapper un léger sourire. À l'époque, vous me faisiez vraiment peur, mais pas plus que ce qui se passait sur l'île du Phare. Vous souvenez-vous d'un certain Mikial ? Probablement pas, au vu de toutes les quêtes que vous avez accomplies durant ces 30 dernières années. Eh bien, il s'agissait de mon père, et il était le gardien de ce phare. Vous lui êtes venu en aide alors qu'un pénitent avait élu domicile sur l'île. Vous n'imaginez pas combien de fois j'ai entendu cette histoire. Et à chaque fois qu'il l'a racontée, on avait l'impression d'y être, avec vous. Ce moment où vous avez dégainé votre épée, où mon père avait allumé les flammes en haut du phare, et lorsque vous avez donné le dernier coup. Même après avoir appris qu'il avait provoqué des naufrages de navires, vous êtes resté clément avec lui. Vous lui avez offert une seconde chance. Et c'est toujours à ce moment-là de l'histoire que mon père ne pouvait s'empêcher de s'effondrer. Vous n'imaginez pas à quel point il était reconnaissant. Après votre départ, il avait décidé de partir aussi, avec moi, laissant les clés du phare à son frère. Nous nous sommes dirigés vers Hunvik, et nous sommes devenus des fermiers, tout ce qu'il y a de plus banal. Nous étions, certes, très pauvres, mais nous avions réussi à construire un foyer qui nous correspondait. Nous vivions paisiblement, mais il y a quelque temps, il est arrivé un malheur. Il y avait des animaux qui commençaient à disparaître, puis des hommes. Le seul point commun qu'il y avait avec les cadavres était leur cœur, qui avait été totalement dévoré. Nous avions conclu que c'était un Ulfedin, un loup-garou originaire de notre archipel. Mon père, pour éviter de faire les mêmes erreurs qu'auparavant, avait entrepris de tuer le monstre. Mais, comme vous avez pu vous en rendre compte, mon père n'était pas un grand guerrier. Et il y a 3 jours, un enfant a retrouvé son corps, dans un champ, avec les mêmes caractéristiques que les autres cadavres. Avant de partir, il m'avait fait promettre de vous écrire une lettre. Non pas pour que vous veniez vous débarrasser de cette créature, mais pour que je puisse vous payer pour l'aide que vous nous avez apportée par le passé. Mon père a économisé durant les dernières années de sa vie, pour que vous ayez une paix convenable. Je ne sais pas si vous vous trouvez toujours dans votre château de sorceleur, à Kaer Morhen, mais j'ai l'espoir que vous puissiez recevoir un jour ce message. Je sais qu'énormément de gens vous méprisent et vous insultent pour votre différence, mais ce n'était pas le cas de mon père. Il m'a toujours répété ce que vous lui aviez dit. Pas besoin de mutation pour priver un homme de son humanité. Geralt de Rive, malgré tout ce qu'on dit sur vous, vous êtes un homme bon. J'attends votre venue. Roderick d'Artskellig.